Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour. Il n'est que 13h54. Mais j'avais la flemme de mettre mon. Pas cette habitude quand je mets pas de webcam, mais c'est genre le soir, la nuit. Là, juste la flemme de mettre ma cam. J'avais pas envie, je voulais juste stream comme ça. Enfin, à base, je voulais surtout jouer à Céleste parce que j'ai Axel qui s'y est mis récemment. Et ça m'a beaucoup donné envie d'y jouer. Puis j'estime que ça fait assez longtemps que j'ai vu le let's play de MV pour me dire que j'ai oublié l'histoire. Enfin, le principal. Enfin, je me rappelle du principal. Justement, je me rappelle pas des détails. Du coup, j'estime que j'ai assez oublié pour pouvoir faire genre une découverte. Mais bon. Eh bien, grimpons, Madeline. Je peux me renommer. Mode assisté. C'est quoi le mode assisté? Mode assisté permet de modifier les règles du jeu en fonction des besoins. Inclut des options qui permettent de ralentir la vitesse. Oh oui, non, c'est pas drôle. Non, je peux en assister. Bon. Et donc voilà. On joue à Céleste bien tranquillement. Ça y est, Madeleine. Je sais pas quelle voix faut faire. Respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse? Avec cette musique. Hop, pour l'instant. Oula. Eh, je t'ai vu, hein. Ouf. Attends. Ok. Donc le wall jump. Maintenant L. D'accord, ok. Hop. Bon, pour l'instant, hein, c'est le tuto, c'est facile. Excusez-moi, madame. Le panneau de devant est cassé. Est-ce le sortie de la montagne? Il y a presque. C'est juste de l'autre côté du pont. Au fait, vous devez faire venir quelqu'un pour votre allée. La corniche s'est écroulée et j'ai failli mourir. Sous de sa gueule. Tu as failli mourir dans mon allée et la montagne risque d'être trop difficile pour toi. J'adore les tronches dans les petits carrés en haut. J'allais vous montrer, mais non, j'ai pas la cam. Si une vieille bique comme vous arrive à survivre ici, je crois que je m'en sortirai très bien. Comme tu voudras. Mais tu dois savoir que le Mont Céleste est un lieu étrange. Tu pourrais y voir des choses que tu n'es pas prête à voir. Vous devrez demander de l'aide, madame. Oh là là. Ah! Et puis la musique est stylée! Non! Sprinter. Hein? C'est pas un sprint, c'est un dash ça! Tu peux le faire. You can do it. Make your dream come true. Yes, you can. La cité abandonnée. Grimper. Elle est presque stylée cette petite map en 3D là. C'est que si on se regarde et quitter dans le monde, pause pour simplement faire une pause. Canada. Donc il y a quelqu'un du Canada qui brise le quatrième mur. Du coup, on peut dash sa mère. Ok. Bon, le dash, ça je me rappelais, mais je sais pas c'était quelle touche précisément. La fraise! C'est important, les fraises. Moi, en tant que. Hop, gros jump. Moi, je suis un peu un maniaque du 100%. Enfin, si je vois un passage qui m'a l'air suspect, je me sens obligé d'y aller. Non, je me suis pas accroché, je suis un connard. Et je l'avais! Ça commence déjà. Oh non! Allez, je tilte. Je tilte sur le niveau, hein. Fuck. Hop là. Et quoi à droite?
Ça m'a l'air d'être un simple passage vide. On va dire que c'est vide. Une fraise volante! Pardon. Non mais reset. J'ai pas le droit de dash. Pas le droit de dash, j'ai pas le droit de grimper, un truc comme ça. Ah mais non mais wall jump là, je suis con. Paf! Hop là. Ça brille ici. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait des pics en bas. Il y a quoi là-haut? Il y a rien. C'est juste pour voir le passage. Ok. Hop. Tac. Parfait pour l'instant. Il y a de l'inertie, je crois, non? Non, fallait s'accrocher, salaud. Couillon. J'étais en mode ouais, j'ai économisé mon dash et tout. Qu'est-ce que je branle? Arrêtez tout. Hop là. Et paf. Too easy for me. C'est la mort en dessous? La réponse était oui. Ça me paraît fragile ça. Ouais, voilà. Ok. Tac. Bouili boui boui. Ok, sauter ne change rien à la hauteur du saut. Ah, c'est quel le bon passage? Je déteste quand ça fait ça. Ça, je le sais avec les petits losanges là. Mais connard! Putain, mais je voulais passer sans dash moi. Salut Théo! Ouais, bon, je sais qu'il s'appelle déjà Théo. Hein. Salut toi, la voyageuse. Ah, salut! Quelle nuit horrible pour une rando. C'est possible. Cet endroit est complètement dingue. J'arrive à peine à croire qu'il existe vraiment. Ce n'est pas une sortie facile, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est ce que je recherche. Waouh, t'as l'air de pas rigoler. Je suis vraiment content de rencontrer un autre être humain dans un endroit si désolé. Au fait, je m'appelle Théo. Je suis un aventurier d'un pays lointain. Du Canada, je parie. Tu n'es pas très bavarde, n'est-ce pas? Du genre loup solitaire et mystérieuse, j'ai compris. Je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé. Si je te recose, ça fait quoi? Désolé, je m'appelle Madeline. J'ai tellement de choses en tête. Alors Madeline, je dirais que tu es venue au bon endroit. Je suis complètement gelé, mais je n'imagine pas un meilleur endroit pour réfléchir tranquillement. Oui, tu dois avoir raison. De quel pays lointain tu viens? Eh bien, chère compatriote curieuse, je viens du rôle mystique exotique de Seattle. C'est un endroit spécial. Oh, pas tant que ça, hein. Cet endroit est dingue. Pourquoi abandonner une ville entière? J'ai lu qu'une méga corporation avait commencé à la construire et que plus personne ne voulait y vivre. Je me demande pourquoi. Je parie que c'est le gouvernement qui couvre quelque chose. Quel gâchis, construire tout ça pour rien. Au moins, on va pouvoir... On va profiter des restes. Tu sais pour explorer cette ville? Oui, j'aime les endroits abandonnés. Et j'aime imaginer un photographe en herbe. Ah, vraiment? Cool! Tu as un blog ou quelque chose? Un blog? Madeline, tout le monde utilise Instapix aujourd'hui. Je suis Theo Understar. Tu peux me trouver. Putain, c'est underscore, mais avec star, du coup, c'est rigolo. Ça fait aussi Théo sous les étoiles. Ce terrain est vraiment difficile, tu vas revenir vite? Non, je vais jusqu'au sommet.
Je peux lire détermination dans ton regard. C'est stimulant. Si tu le dis. Elle est beaucoup trop mignonne, sa bouille. Je parie que tu pourrais atteindre le sommet aussi. Peut-être. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'aller au sommet. Oh, mais il paraît qu'il y a de vraies vieilles ruines au-delà de la ville. Elles dateraient des années 1800. Je sais que c'est risqué, mais je dois aller voir par moi-même. 1800. Qu'est-ce qu'on dit juste avant de faire quelque chose d'irresponsable? Il faut oublier toute prudence? Non, c'est pas ça. Ah, ça y est. On dit qu'une fois... YOLO. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a des espaces à... après qu'une et fois, mais il n'y a pas après on, ne et vie. What the fuck. Ok, donc c'est la version YOLO. J'ai pas un succès pour avoir lu tout. Ok, donc là c'est un sac de cul. Ah les salauds, je les avais pas vus. Oh putain, je me refais avoir comme un sagouin. Ouf. Non. Je me déteste. Foiré. Du coup on retombe là, bah oui évidemment. Yo. Ouh. Non mais salaud, voilà. Ça se casse ça, bah oui. Trop fort. Oui. Yo la maison, non? Ok. Ah. Oui. Y a rien à faire ici, là. Attends, it's not just a watch. It's a symbol. Pas simplement une monstre. C'est un symbole. Là, ça se casse, hein. Ouais, ça se voit. Je fais pour revenir. Ah bah comme ça. Ah mais c'est compliqué. Je sais pas à quoi sert la plateforme en haut. Je pense que... Hop. Ouais, comme ça. Ça servait à ça. Hop. Non. Zoui. J'étais justement en train de me dire, putain, c'est la même texture que quand je pouvais les casser. Et, et puis je l'ai vu trembler, je suis en mode merde. Ouf. Les connards. Hop. Mais aïe. Aïe. Ouf. Vas-y Philippe. Yes.
C'est chaud! Putain, elle est compliquée cette là. Ah non, j'ai peut-être trouvé du coup. Pfiouh, je peux toujours mourir comme un caca là. Hop, voilà. Oh mais je voulais vraiment monter sans dash hein. Ok, j'ai peut-être fini. Hop. Faut que je sois plus réactif. Hop, voilà. Oh, shit. Attends, je suis... Putain, mais on fait comment pour l'avoir? Mais en fait, c'est facile. Alors, c'est quel le bon chemin, du coup? Ça, c'est chiant. Là, il y a une fraise. C'est quoi? Je dois pas dash? Non, c'est ça. Saloperie. Vas-y là! Hop. Salaud. Mais quoi? C'était pas ce que je voulais faire. Non yeah. Hop, on recharge. Oui, 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 oui. J'avais pas vu les pics. Connard! Et moi, je vais aller en bas. T'as intérêt par contre à ce que la fraise d'en bas elle soit plus tard, hein. Sinon moi je fais un câble. Genre c'est arnaque. Un truc quelque part. J'ai le bœuf. Connard. Ce monument est dédié à ceux qui ont péri dans l'ascension. N'arrive pas à vous. Pouah, je suis épuisé. Ah, c'est du bois, je crois que c'était genre un trou de taupe. What the fuck? Ça devait être une erreur. D'accord. Chapitre fini. Oui. Est-ce que j'ai toutes les fraises? J'en ai loupé 6. Pardon. Vas-y, t'es où? Genre, il y a une fraise à chaque écran ou ça se passe comment? Les fraises impressionneront tes amis, mais c'est tout. Ne les ramasse que si tu y tiens vraiment.
Oui. Moi, je veux les fraises. I want the fraises. Pourquoi la flamme elles sont vertes? Pourquoi il y a des trucs chelous et pourquoi? Oh, parce que les lettres font que de bouger, mais on arrive quand même à lire. Bon, du coup, c'est quoi? Elle rêve là? Donc, laisser flou un peu, ça fait mal aux yeux. Non, mais c'est quoi ça? Pas d'accord. Ça brille. Mais là, je pourrais pas la choper la fraise là. Il y a des trucs dans les. Au secours. Au secours. Hey. Ouf. Ah mais c'est le vrai chemin. Attends, je suis en train de louper toutes les fraises du monde, j'ai l'impression. Pas très bon ce miroir. Oula. Le miroir il est cassé. Hein? Oh, ok. Une fraise à l'aide. La fraise. Je suis en prison. Et la fraise. Il y a une fraise. Je suis comment pour la voir? Je veux la fraise. Donnez-moi la fraise. Je veux cette fraise. Oh, trop fort. Ça c'est bien joli, mais moi je veux la fraise. Est-ce que je me fais chier à faire ça là? Apparemment oui. Je suis un bolos. Non me fais chier, je loupe une fraise. Là, je sais, je t'ai vu. Salaud. Mais quoi? Incroyable en fait. Un peu là, c'est bon, j'ai ma fraise. J'ai ramené ma fraise. Ah, d'accord, on meurt. C'était pas prévu ça à la base. Et
Et le dash est redisponible en sortant. Ok. Du coup, cette fraise là. Oh, je suis trop fort! Et puis là, ces petits cristaux là. Si je les ai tous, ça fait un truc bien ou pas? Apparemment, ils s'en branlent. Faut que je leur chope. Une phrase. Trop fort. Est-ce que je vais louper d'autres trucs? Là, par là, il y avait quoi? Il y a une phrase. Ah bah ouais, non. Je dois venir d'en haut à gauche. Que je remonte. Là. Toi, je t'ai vu. Hop là. Là, y'a quoi? Là, c'est là d'où je viens. Non. Non, je pense là-bas c'est la suite. Mais il y a trop de chemins possibles. Je vais vérifier là. Qu'est-ce que nous avons ici? C'est la suite. 100% c'est la suite. Quoique. Il y a une face. C'était pas la suite. Yes. Phase B débloquée. Oui. Oui. Hop, allez, on remonte tout ça. Non. Ouf. Mais non. Là. Oui, les bébés. Facile. Salaud. Donc là c'était juste pour avoir deux fraises. Ok. Du coup faut juste remonter là, c'est bon. Non. Ah si, il y en avait un au début là. Toi. Je ne t'ai point oublié. Non, déjà là. Hop. T'es cru que j'allais te laisser comme ça? Non mais oh. Ok. Non. Faudrait que je dash. Est-ce que je peux dash comme ça? Oui, je peux. Faut que je dash sur le côté, mais c'est... j'y arrive pas. Aïe. Pourquoi il n'y a plus de musique? Quoi? Je suis allé au bourreur côté? Mais non! Mais non! Oh, je déteste quand ça fait ça. Quand j'ai l'impression de prendre un chemin bonus, en fait, pas du tout. Madeleine, ma chère, ralentis! Qui a parlé? Ah, oh, je ne suis qu'une observatrice inquiète. Tu es... moi?
Je suis une partie de toi. Pourquoi une partie de moi a-t-elle l'air si sinistre? C'est mon apparence, d'accord? Tu dois divers. Désolé, je ne voulais pas... N'y pense plus. Si tu savais quel soulagement c'est de sortir enfin de ta tête. Mais écoute, je suis inquiète à notre sujet. Il nous faut un loisir, mais là... Je sais que ça paraît fou, mais je dois gravir cette montagne. Ma chère, tu es tout sauf une alpiniste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais que c'était pas ton fort, mais sois raisonnable pour une fois. Tu n'imagines pas dans quoi tu te lances. Tu n'y arriveras pas. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Es-tu la faible partie de moi ou la partie paresseuse? Je suis la partie pragmatique. Et je tente de rester diplomate. Oula, elle sort de la case. Rentrons à la maison ensemble. Ah non, elle veut ma mort. Non mais ça me saoule, du coup j'ai loupé tout un chemin là. Sérieusement. Le secours. Oh non, la fraise. Non, la fraise. Oh là là, si beau. Allez hop, ça dégage. Ah, j'aime beaucoup la musique. Mais le ding dong. Ouais, bah, je suis nawak. J'étais en mode je vais les esquiver en sautant, mais j'ai oublié que j'avais moi-même sauté avant. Hop. Non. Quoi, il y en a trois? Allez. C'est quoi ce muret là? À l'aide. Ah là là, bala 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 bala. Ok, bon, maintenant je sais que je peux pas détruire cette ce truc. Là en fait, faut pas faire de wall jump parce que comme il y a 3 de latence derrière, si je reste sur le balai entre les deux côtés à chaque fois, ça va pas le faire. Oh, une phrase. Ça me stresse là du coup là-haut. Y'a quoi? Ma fraise de se regarder, ouais. Ah, c'était juste un chemin différent, nul. Swee bully bully. Swee bully bully. Swee bully bully bully. Swee bully bully. Swee. Non, la fraise! Swee bully bully. Bully bully. Bully bully bully. Bully bully. Ok. Bully bully. Bully bully bully. Bully bully bully. Voilà. Too fast for you. Non.
je redémarre tout en haut. Je suis un connard. Oui. Je me déteste. Scheiße. J'ai peut-être loupé 50 000 fraises à l'aide. Ah, c'était là tout à l'heure. Ah, elle est partie. Spoli-bili-bili. On peut aller là. Quoi de spécial? Spoli-bili-bili. Là! Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Non mais Excellent! Salaud! Pourquoi il y a de la dirt des fois, là, d'un coup? Ça sonne. Oui, allô? Bonjour. Je suis Badeline. Allô? Allô. Madeline? Tu appelles d'une cabine? Oui. Non, attends. C'est toi qui appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe. J'ai des ennuis. Je suis pourchassé par quelqu'un. Je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais je me sens en danger, je le sens. Madeline, tu ne m'appelles que quand tu paniques au milieu de la nuit. Inutile d'inventer des histoires ridicules pour attirer mon attention. Je n'invente rien. Oh la tronche. Tu ne changeras jamais. Chut, ça va, calme-toi. Je m'excuse, chérie. Je t'écoute. C'est son mec. Je grimpe le Mont Céleste. J'ai trouvé un étrange miroir, il s'est brisé, mais une partie de moi s'en est échappée et... Je fais un rêve, n'est-ce pas? Madeline, bien sûr tu fais un rêve. Je ne t'ai pas parlé depuis des mois. Pourquoi commencerais-je maintenant? Pouah! Pourquoi gravir cette stupide montagne? Ok, donc son mec en a bas les couilles de sa dépression. Je me pose la même question. Et il est temps d'abandonner, de rentrer à la maison. Waouh! Il m'a bouffé? À l'aide? Il y a le téléphone qui est pend. Ah! C'était bien un rêve. Puis là, ça a l'air d'une normale. Okay. Peut-être aller à gauche maintenant là. Ah! Okay. On ne perd rien en vérifiant. Mmh.
Oh, yo. Smoothie, oui, mais du coup là c'est pas bouché. Salut Madeline, tu as réussi? Monter là-haut fut difficile, mais ça valait vraiment le coup. Regarde un peu ces ruines. J'ai pris plein de belles photos, tu veux voir? Oh, bien sûr. Théo, elles sont super. Tu finiras peut-être par atteindre un millier d'abonnés avec ça. Oh, il faut qu'on fête officiellement cet événement. Prends un selfie avec moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'instant. Allez, sois cool, regarde. Qu'ils sont mignons. La tronche. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je ne posterai pas celle-là. Non, ça va, tu peux la poster. Mais je ne suis pas photogénique. Madeline, ne sois pas si dur avec toi-même. Personne n'est photogénique sans filtre. Décontracté, mais sophistiqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie? Mon grand-père adorait ça. Apparemment, il était assez connu dans l'univers de la photographie. Je ne sais pas si j'atteindrai ce niveau un jour, mais ça me rapproche de lui. Alors, tu es déterminé à gravir toute la montagne? Oui, j'en suis fait la promesse. J'en ai marre de trahir les promesses que je fais à moi-même. Se fixer que j'objectif, j'ai pigé. Je ne pense pas aller jusqu'au sommet comme toi, mais je n'ai pas envie de rentrer pour l'instant. Il y a du réseau là-haut? Je n'ai pas de smartphone. Madeline, tu me laisses sans voix. Ouf. Il faille mourir à deux reprises. Donc là, il n'y a rien. Parce que là, si je tombe... Ouais, je vais dire, si je tombe, je redescends en bas. En effet, c'est la logique. Pur et dur, hein, de la gravité. Merci Newton. Du coup, je suis en train de me dire, on peut faire totalement tout le jeu sans parler à Théo. C'est triste. Oui, je t'ai vu là-haut. Ouais, on... Pff, au lieu de dasher, j'ai voulu m'agripper. Enfin, au lieu d'appuyer sur la touche de dash, j'appuie sur la touche pour s'agripper. Sérieux, je meurs là-dessus, là. Je t'ai eu, salope. J'ai totalement traité la fraise de salope. Désolé. Ça me stresse là, les petites cavités comme ça là. Ça me fait trop penser à Mario où à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ça voulait dire qu'il y avait un passage secret. Tiens le téléphone. Ce qui a sonné. Elle essaye quand même. Ça s'appelle qui? Allô? Salut, maman. Oh. Madeline, quelle surprise! Comment se passe ton voyage? Ça va, je suis juste un peu submergé. Oh non, tu fais encore des crises de panique? Pense à bien respirer, ma chérie, je suis là. Que se passe-t-il? Ah là là. Chapitre terminé. Et du coup, c'est sur la fin de ce chapitre 2 que nous allons nous laisser, YouTube.